voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Premier choc musical, c'était mon premier concert avec l'orchestre. J'avais 7 ans. Et donc, je suis arrivée sur scène, j'ai joué le concerto de Haydn et j'ai eu tellement peur. Je me disais, comment je peux y aller jusqu'au bout? Parce que c'était la salle pleine, 2000 personnes, à Tbilissi, chez moi. Et, mais bon, c'est bien passé, mais j'ai eu vraiment une choc exceptionnelle qui m'a poursuivi toute ma vie. Écoutez, les personnalités, c'est tous mes professeurs que j'ai rencontrés. Je suis très reconnaissante à tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidée à l'époque. Et surtout, mais surtout, c'était Michel Sony, qui a été pour moi une rencontre providentielle. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis d'évoluer sur le plan musical, sur le plan philosophique, et surtout, il m'a fait aussi retrouver ma personnalité. Il m'a aidé à retrouver ma personnalité. Et affirmer ma personnalité, qui est quelque chose de très rare, et c'est un rêve de tous les artistes. Écoutez, d'abord, si je dois me retrouver un jour toute seule sur le Lille désert, ça c'est une catastrophe, parce que c'est d'être dans la solitude comme ça, je pense que c'est le pire des choses qui peut m'arriver. Alors moi j'aimerais une œuvre de Liszt qui s'appelle Malédiction. C'est une œuvre que j'ai découverte récemment, magnifique pour le piano et l'orchestre de cordes, qui exprime justement cette solitude et désastre de cette émotion d'être toute seule sur l'île, quelque part. Mais j'espère que ça ne va pas arriver avec moi. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce.